vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et on commence la journée en sortant de la maison. Aïe. Mais aussi avec une nouvelle complètement folle. Je vais vous expliquer, franchement, ça, on est sur le cul avec Loïs. Bon, là, on va faire quelques courses pour le petit-déj parce qu'on a déjà épuisé nos maigres réserves. Mais surtout, j'ai eu ce matin, enfin tout à l'heure, il n'y a même plus de chips de pommes, un appel du CHU Estin de Clermont-Ferrand, c'est-à-dire là où avec Rachel, on a été justement parce que j'étais inquiète pour elle. Et vous savez quoi? J'avais raison. Ils m'ont renvoyé à la maison en disant « elle a rien, il est là papa ». Et en fait, pas du tout. Elle a bien une petite infection. Et il faut que j'aille chercher... Ça va glisser, maman, il y a de l'eau. Ça va pas glisser, chérie. Il faut que j'aille chercher un médicament pour aller à la pharmacie tout à l'heure. Et franchement, je suis sur le cul parce que ça fait depuis jeudi soir, quoi. Et aujourd'hui, on est lundi. Bon, on a bien avancé sur les courses. Alors, c'est là mon préféré. Mais demande à ton... Mais le chocolat, ouais, ça fond, là. Enfin... Bon, là, ça y est, eux, ils descendent à la piscine pendant que je finis de tout nettoyer. Je refais les lits. Je te porte. Papa, il te porte, Rachel. Elle est trop mignonne, elle sera trop bien. Non, bah, tu toques, hein. Remarque, tu peux les prendre si tu veux, hein. Non? Ok. Je préfère faire comme ça, faut savoir que... Je suis pas forcément la plus grande fan des piscines qui soient. J'aime bien quand c'est une piscine privée. Là, en fait, c'est la piscine de la résidence. Donc, je suis pas forcément fan, même si elle est très, très bien. En vrai, elle est super bien. Hier, j'ai kiffé et tout. Ça m'a fait du bien au dos. Mais c'est vrai que je vais pas courir après. Donc, je laisse les enfants et Loïs en profiter. Et moi, ça me permet de pouvoir ranger tout le bazar en étant tranquille, en écoutant ma musique. En fait, c'est mon petit moment juste à moi. Ça fait un peu cliché, mais là, j'ai déjà tout relevé pour pouvoir tout nettoyer. Regardez ça si c'est pas trop chou. Elle gère de ouf les filles. Dans le petit bain là, j'adore. Moi j'ai terminé, je vais aller préparer à manger. Et Liora, elle nage de mieux en mieux, je suis hyper fière d'elle. Bon, du coup, je vais préparer... Et Yora, elle mangera les trucs d'hier qu'elle a adoré, là, les pâtes que j'ai faites avec les petites boulettes. Moi, je peux pas manger, je vous ai expliqué déjà, parce que c'est un mélange de bœuf et de porc. Ah bah voilà, Loïs, il m'a envoyé un message justement. Et bah justement, je viens de vous regarder par la fenêtre. Écoute, là, je vais faire... j'ai fini le ménage et je vais pouvoir commencer à faire à manger. Donc, Yora, j'ai juste à lui réchauffer son truc. Toi, je comptais faire des styles de croque-monsieur. Et Rachel, elle va manger aussi des pâtes, donc c'est quand tu veux. Voilà, vous savez tout maintenant. Et c'est parti. C'est parti. Je vous ai même pas montré, parce qu'on a tout mangé, mais j'avais fait des petits sandwichs à la poêle. Trop bon, mais cette vue. Je l'aime trop, cette vue. Toi aussi, hein, chérie. Oui, c'est moi, j'aime que toi, mon amour. Mais quel mytho, celui-là. Ah, ça s'est vu. Déçu, je le suis. J'en peux plus, lui, je vous jure. C'était trop bien. Bon, là on se fait un petit temps calme, c'est ouf avec l'appareil. On dirait que j'ai des taches de ressort partout sur le visage, mais ça se trouve elles sont ressorties avec le soleil. J'ai des taches de ressort partout sur le visage là. Ouais. Comme ça là, viens voir. Viens voir. Franchement. Comme ça, viens voir. Pire, pire. Ma mère est rousse hein, à la base, hein, donc c'est normal que j'ai des taches de ressort. Et donc du coup là on va finir de ranger, faire un petit temps calme, mais après on va normalement sortir de la maison. En vrai hier on est juste allé à la piscine, mais on est tous en train un petit peu d'atterrir, on est tous fatigués, on récupère, on profite, on est un peu en slow life, doucement mais sûrement. On va se faire, je vais essayer de voir pour qu'on se fasse un programme pour retourner au bioparc parce qu'il était super, mais je vais regarder d'abord les températures parce qu'il fait quand même très très chaud dehors, c'est pour ça ici on est bien, on a la clim. Et il y avait le bioparc, on voulait voir aussi s'il n'y avait pas des sorties bateaux, voire des sorties pêche, où ils nous prennent tous les quatre évidemment. Enfin, il y a plein de trucs qu'on aimerait bien faire et en même temps, ça nous fait tellement de bien de se poser, de rien faire. Je pense que c'est un peu le but des vacances aussi. Regardez ça, c'est trop chelou, j'ai jamais vu ça, c'est une pelleteuse.
sur un bac qui pioche dans l'eau. Mais elle piochera. Ah, tu crois qu'elle bouge le sable ou un truc comme ça? Je sais pas. Ouais, je pense que c'est juste pour avancer. Tu crois que c'est pour le faire? Non, non, ça avance trop vite. Je vais te montrer. Mais je le vois. Non, c'est... Il va au bout pour avancer. C'est une façon de ramer. Je te crois pas. Mais c'est vrai, il n'y a pas de moteur, c'est un... Bah, dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est ça. Moi, je pense pas que c'est ça. Ça me paraît énorme. Mais regarde, il avance que comme ça. Et non, il reste trop longtemps dans l'eau. Ça me paraît improbable. Tu crois qu'il ramène son bac comme bien ça? Bien sûr, tu vois bien qu'il arrive. Il n'y a pas de moteur derrière, Rebecca. Tu vois, c'est une bac. Mais c'est un délire. Oui, il penche vers l'avant à des moments, pas tout le temps. Là, il penche. Quand il s'accroche, il penche. Ouais. C'est énorme. J'ai jamais vu ça. Elle, pourquoi t'as volé les pinces à linge? Non, c'est pas moi. C'est pas toi, c'est qui? Si elle les a volés il y a 2 minutes. C'est bon, je les ai trouvés. Je les ai trouvés. Pas moi, ah bon, bah désolé alors. On a 2 enfants pas du tout contents de sortir de l'appartement. Écoutez, on va voir si on arrive à leur tirer un sourire. On va voir ce look. Mais trop bien quoi. Une petite espagnole. Bon alors Loïs, tu nous emmènes où? Au bord de mer. Bon bah Eliora, elle en peut plus cette voiture, elle aime trop avec ses dessins. Je vous laisse observer les quéquettes qui sont dessinées dessus, c'est fantastique. C'est sale tellement, ouais. Petit tour à la pharmacie, on a trouvé tout ce qu'on voulait. Encore des affiches comme ça, on en voit. Ah ouais, il y a encore un chat qui est perdu. On n'arrête pas de voir des chats perdus en ce moment. On a fait chou blanc, donc on va monter manger une petite glace à la maison et puis on va aller sur Valencia, je pense, faire un peu de lèche vitrine et puis dîner. De Disney, je crois pas qu'il y en a une seule qui peut dépasser. Voilà, on va kiffer en fait l'appartement climatisé. Ah bah oui, de ouf, il fait donc, hyper qu'on chaud. On croit qu'il est chaud l'appartement. Non, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui crois ça. Il fait hyper bon. Non, la nuit, tu m'as fermé. Non. 26, 27, c'est un peu chaud. Il fait chaud, mais ça va. Un magasin ici, je connaissais pas du tout, c'est Miniso et c'est trop bien, il y a plein de trucs trop cute, j'ai envie de tout acheter. On cherchait des crocs pour les filles, j'ai trouvé 2 modèles trop cute de la marque Cupcake Couture, trop bien. Bon bah en fait on leur a même pris les baskets pour la rentrée dans la même marque Cupcake Couture. On va pas garder les boîtes hein, bien évidemment parce que sinon c'est foutu, mais c'est trop chou ce qu'elles ont choisi, je vous montre ça tout à l'heure. On a mangé ici chez Foudou, c'était très bon. On y va. Thank you.
Allez, montrez-moi vos belles chaussures. Fais voir, Rachel. Fais voir. Wow. Ces chaussures appartiennent à ma mère. Non, c'est à toi. Non, c'est celle de ma mère. C'est à toi, mais elles sont trop belles. Ça, en fait, tu vois les petits détails qu'il y a, il y a comme des petits soleils. C'est moi qui l'ai découvert en première. C'est trop beau. Et du coup, je vous disais, la marque, c'est Cupcake Couture. Et Liora, elle a pris ces baskets-là pour la rentrée. Attention, les filles, attention. Et Rachel, elle a choisi celle-ci avec que de la paillette. Je ne mets pas mes baskets sans que je les mette. Ah bah vas-y. Toi aussi, tu veux les mettre? Non, tu nous les montres. Waouh. Elles sont belles tes baskets. Comme j'ai oublié de prendre mes talons, j'ai pris ça. C'est un petit truc vraiment tout simple qui va un peu avec tout. C'est pas très haut, c'est confort. Wow. C'est des marques parce que nous c'est tout. Cupcake Couture. Non, moi c'est Catwalk. Oh, il est joli. C'est joli, tu trouves? Maman. Oui. Sinon, on est passé dans une autre boutique, j'ai repris ça de l'Arnidol. Oh, c'est... c'est si vous faites des bobos, c'est de l'arnica en tube comme ça, en crème. C'est vachement bien. Je le mets au frigo en plus l'été, c'est super bien. Non mais c'est si tu te fais un gros bobo. Bien ça, il s'est moche. Ouais, il marche pas très bien les ciseaux. Attends, je vais retirer. Et Loïs, il s'est pris du Velleda, il a pris le sport et le love. Genre, t'es amoureux toi. Pardon Rachel, bah oui t'as fait tomber la chaussure quand t'as pris le truc mon cœur. Aïe, aïe, oh, c'est tout qui tombe. Tu sais on est, c'est parce que papa il a pris le Velleda, t'es amoureux genre, c'est pour ça que t'as pris le lave. Ouais je vois une gonzesse. Crème douche harmonisante. Non mais attends, il se tape des délires ton robe. Ça c'est pour les bobos. Mon cœur. Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est une petite fille, un petit garçon? Oui, un petit garçon. Et elle s'est fait bobo? Tu veux pas montrer mes chaussures? Non, t'as pas de bobo. Si vous ne connaissez pas, c'est comme ça en fait, c'est un tube. Bon, franchement, je suis trop contente d'en avoir retrouvé. Et vous tournez et ça va remonter le truc. Vous voulez voir l'action de mes chaussures? Voilà, ça remonte. L'arnica est comme ça, pas en cas de bobo. Si on peut le remettre bien. Non! Et ça, si vous le mettez au frais, c'est encore mieux, c'est un effet rafraîchissant. Oh, je sais plus parler. Ça rafraîchit le bobo, quoi. Ça fait du froid, c'est mieux. Alors fais voir, il y aura tes chaussures. Fais-nous ton défilé. Regardez comment je peux mieux. Attends, je vais mettre depuis le couloir. Hé, commence par ranger ta chaussure au milieu, là. Waouh. En plus, ce qui me plaît sur ces chaussures, c'est qu'il y a un arrondi, donc du coup. Par exemple, ça prend la main pour le saut. Tu cours. Waouh. Wow. Bah du coup, Rachel, elle veut vous faire l'essayage des chaussures aussi. Fais voir tes chaussures. Waouh. Les chaussures. Je les vends hyper. J'ai fait un bond de la taille de la table. Attention, Rachel arrive. Ah, et quoi pour lui? Non. 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 Il y aura qui prend pour un jambon. Oh. Bon, j'ai mis les pieds au lit. Je récupère mes affaires. Je me suis pris une lime à ongles et plusieurs couleurs. Et je crois qu'en fait elles étaient parfumées. Ça sent un peu la vieille. Ça sent la. Ah ouais, ça sent la vieille dame quoi, vraiment. Bon, je vais essayer de me faire une place dans le salon pour faire mon sport. Parce que hier j'ai pas fait, j'avais trop mal au dos et aujourd'hui j'ai bien dormi dans le lit des filles. En fait à partir du moment où je suis allée vers 4h du mat je crois me coucher dans le lit avec Rachel parce que j'entendais tousser. Franchement pas de soucis. Bon je vais clôturer le vlog maintenant, je vais vous filmer quand même une partie de sport pour terminer ça, mais je clôture le vlog maintenant parce que l'appareil va s'éteindre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée. Bye bye.